Je salue évidemment en priorité ma famille. Je salue évidemment aussi tous nos partisans italiens qui sont présents ici. Vous pouvez traduire s'il te plaît, ma chère sœur. Ringrazio tutte le persone che sono qui oggi, in particolare lo staff e la dislocazione dell'ONG qui in Italia. Grazie per essere venuti da così lontano. Ouais, c'était surtout, je voulais dire, de traduire pour nos amis italiens qui ne parlent que l'italien, en disant que nous les remercions aussi pour leur présence et nous les applaudissons. Et de même, évidemment, parce que je sais que c'est une habitude, partout où nous voyageons dans le monde avec mon équipe, je salue évidemment aussi les services de renseignement français et américains qui me suivent partout où je vais. Les remercions pour la sécurité qu'ils nous offrent de manière invisible, puisque partout où nous allons, ils nous suivent plus même que les membres de notre famille. Et j'espère qu'ils auront beaucoup de notes à prendre. La conférence d'aujourd'hui a pour thème la panafricanité fondamentale. Et avant d'arriver à cette question de la panafricanité fondamentale, il est important de contextualiser déjà les raisons de la présence de la diaspora africaine ici en Italie. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes que l'on entend dans les médias. Beaucoup de gens qui disent tout et n'importe quoi sur notre communauté ici. Beaucoup de gens qui disent que les Africains sont venus ici pour envahir l'Italie, pour changer la culture, pour voler, pour violer, pour créer le désordre. Toujours les stigmates que l'on donne lorsqu'il y a une crise dans un pays, ce sont toujours les minorités que l'on stigmatise, mais il est important que l'on dise la vérité. La population africaine qui est présente ici n'est pas là parce qu'elle préfère l'Italie à l'Afrique. Elle n'est pas là parce qu'elle préfère l'Europe à son continent. La population africaine qui est ici est présente parce que quand on pille les matières premières dans nos pays, il est normal que certains suivent le transit des matières premières. Vrai ou faux ? Ma soeur va traduire après. D'abord, c'est un message entre nous. Lorsque l'on entend les discours des Salvini, de tous les dirigeants qui attaquent l'immigration, mais qui n'attaquent jamais les raisons de l'immigration, on se dit que ces gens-là sont des hypocrites profonds, qui n'attaquent jamais les causes, mais qui s'attaquent aux conséquences. Les gens qui viennent ici ne quittent pas leur pays par joie. Les Camerounais, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Béninois, les Noirs qui sont ici ne sont pas venus en Italie boire pour le plaisir, même si les spaghettis sont... même si les pizzas sont magnifiques. Même si la nourriture italienne est l'une des plus belles nourritures chez les Européens. Pas mieux que la tchéquaine. Et nous respectons ce pays. Nous respectons leur tradition. Nous respectons leur culture. Parce que quand nous allons dans un pays étranger, nous devons respecter la maison dans laquelle nous entrons. N'est-ce pas ? Oui, oui. Mais dans le même temps, les Européens et l'Italie doivent comprendre que les Africains qui viennent en Europe et qui viennent ici viennent pour des raisons. Et tant que les multinationales occidentales, tant que l'Union européenne, tant que le gouvernement américain continueront de spolier nos matières premières, de piller nos ressources, il y aura toujours une immigration qui viendra. C'est important qu'on le dise. Oui ou non ? Oui. Et c'est pour ça que je m'adresse en priorité, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à cette conférence, au gouvernement. Madame Meloni, qui, il y a quelques années de cela, nous avait proposé de la rencontrer, chose que j'avais refusée. Je n'avais simplement accepté de rencontrer que le mouvement 5 étoiles à l'époque. Je ne voulais pas être lié à l'extrême droite italienne ou à d'autres partis. Le seul parti que j'acceptais à l'époque de voir, à l'époque de Beppe Grillo et des autres, c'était le mouvement 5 étoiles. Depuis, j'ai changé d'avis. Mais Meloni, à l'époque déjà, je n'étais pas en accord avec ce qu'elle disait, et aujourd'hui encore, je ne suis pas d'accord avec la manière dont les choses sont gérées. Je suis d'accord avec elle lorsqu'elle attaque, comme nous le faisons au péril de notre vie, le franc CFA. Très bien.
Mais je ne suis pas d'accord si on ne s'attaque pas aux vraies causes, aux vraies raisons. L'Union européenne est pied et main liée avec les multinationales occidentales qui pillent notre continent. Vous ne pouvez pas vous plaindre de l'immigration. Vous ne pouvez pas vous plaindre du changement démographique dans vos pays. Vous ne pouvez pas vous plaindre qu'il y a de plus en plus de Noirs qui viennent sur vos côtes. Il y a quelques siècles de cela, nous n'avons pas demandé à ce que les Européens viennent sur notre continent. Oui ou non? Oui. Il y a quelques siècles de cela, nous n'avons pas demandé à ce qu'on vienne nous coloniser. Oui ou non? Oui. Il y a quelques siècles de cela, on n'a pas demandé à ce qu'on vienne nous esclavagiser. Oui ou non? Oui. Donc, qui sème la colonisation récolte. Dire cela ne signifie pas que je me réjouis de l'immigration. Parce que si c'était que moi, je préférerais que les Africains puissent vivre et profiter de leurs ressources et de leurs richesses sur leur terre. Parce qu'il n'y a pas de plus grand paradis pour un Africain que la terre-mère en tant que telle. Et nous devons le dire aussi. Mais tant que nous n'aurons pas fini de lutter contre le système impérialiste néocolonial, dans lequel il y a des présidents africains corrompus, on doit aussi parler de ces derniers, n'est-ce pas? Qui agissent en concubinage incestueux avec l'oligarchie occidentale, tant que nous n'aurons pas mis fin à ces marionnettes, tant que nous n'aurons pas mis fin à ce système de prédation, nous ne pourrons pas stopper le processus de l'immigration. C'est important que l'on puisse le dire. Le travail que nous menons n'est pas simplement un travail culturel. C'est un travail de vie ou de mort pour pouvoir profiter de nos propres matières premières, de nos propres ressources minières, de telle sorte que comme chaque civilisation, comme chaque peuple, dans cette humanité, nous puissions créer et dessiner notre propre destin. Je pense que c'est très important, avant de rentrer dans le fond des choses, que l'on puisse contextualiser ces réalités. Je vais demander à la sœur qu'elle puisse, c'est long, hein. Donc, applaudissez-la, s'il vous plaît. Merci. Ai politici europei dicono, ma non sono neanche qui per loro volontà nella maggior parte dei casi, ma sono qui perché l'Europa è stata lì ed è ancora lì a rubare risorse, a depredare territori, a rubare terre e quindi questa è la realtà da cui dobbiamo partire. La Meloni mi aveva chiesto di incontrarla qualche anno fa, io ho rifiutato perché non sono d'accordo con alcune cose che dice. L'unica cosa su cui siamo d'accordo è sul problema del franco CFA e sulla colonizzazione che rappresenta ancora, sull'oppressione che rappresenta ancora in Africa, ma c'è tutto il resto, c'è tutto il contesto dell'Europa tutta, non è solo la Francia, è tutta l'Europa, soprattutto l'Unione Europea, che con le multinazionali continua a depredare sistemicamente tutti i territori dell'Africa. E quindi è questo il vero problema, il nocciolo duro della questione. E non voglio essere quindi associato all'estrema destra con questi discorsi semplicistici e sensazionalistici che fa. Avevo incontrato solo il Movimento 5 Stelle qualche anno fa, con Beppe Grillo, ma ho cambiato idea nel frattempo e comunque è vero che la pasta e la pizza sono buonissime, ma la cucina italiana è la più buona in Europa. Noi abbiamo la cecchè e la cecchè e non si batte. Quindi questo è l'inizio, diciamo, il contesto che volevo un attimo creare, perché quando semini colonizzazione raccogli immigrazione, quindi noi siamo qui perché loro erano lì e sono ancora lì. Parce que tout le monde va prendre aujourd'hui. Avec amour. Mais tout le monde. La gauche aussi, lorsqu'elle se présente en défenseur des immigrés, mais qu'elle laisse rarement les immigrés parler. Elle préfère toujours parler à la place des immigrés, sans donner les raisons pour lesquelles nous sommes là, sans attaquer les multinationales, simplement dire que l'immigration c'est bien. Non, l'immigration n'est pas bien. Il faut expliquer pourquoi l'immigration il y a, et nous aider à lutter contre les raisons de l'immigration, raison pour laquelle nous pourrons par la suite mieux évoluer. Parce que déporter des peuples d'un endroit à un autre, que ce soit durant l'esclavage, que ce soit durant ce que nous vivons aujourd'hui, sur lequel nous allons revenir dans peu de temps, ce sont toujours les mêmes principes.
on arrache des peuples à une terre pour les emmener ailleurs, dans un environnement qui n'est pas le leur, dans un espace qui n'est pas le leur. Quand des différentes communautés se rencontrent, il y a des gens bien, comme ceux ici, italiens, qui acceptent la présence africaine, qui sont conscients que nous sommes une richesse. Mais il y a aussi tous les autres, et je peux le comprendre, qui peuvent se dire que mais nous voulons vivre entre nous. Ce n'est pas un crime de vouloir vivre entre soi. Mais pour que nous puissions chacun d'entre nous vivre entre nous, il faut qu'il puisse y avoir la justice partout. N'est-ce pas? Quand, levez la main ceux qui viennent de Côte d'Ivoire. Levez la main ceux qui viennent du Cameroun. Yeah. Levez la main ceux qui viennent du Congo. Congo, vous êtes partout. Même en Roumanie, vous êtes partout. Les pays que je viens de citer sont des pays symboles de ce qui ne va pas sur notre continent. Des pays dirigés par des gens qui n'ont comme seul objectif que la paix. Une prédation organisée, oui, on peut rajouter le Sénégal, le maquillage sale de l'impérialisme, Macky Sall. Le dictateur. Le dictateur. Le dictateur. Ouais. Tu sais, il y a des dictateurs, Castro était un peu un dictateur, mais un dictateur éclairé. Macky Sall, c'est un dictateur dégénéré. Et c'est ça le véritable problème que j'ai avec lui. Kadhafi était un dictateur, mais je préfère Kadhafi à toutes les marionnettes que nous avons. Tous ces pays sont dirigés par des gens qui assurent.